Bonjour tout le monde, ici Dalgamin et bienvenue pour la présentation du nouveau véhicule, la transformation Venise de l'Obey 10F. Alors, une Audi en IRL, on va la custom, la tester et tout. Et vraiment très stylé. Et oui, transformation Venise. Alors, on va la tester hors modification jusqu'au Venise pour voir un peu ce qu'elle a dans le build. À date, à de la patate. Wow! Attends, ok, c'est bon, wow! Oh putain! Allez, 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 on trace! Wow! Yay! Wow! Ah oui, elle a une accélération de fou et elle semble avoir une vitesse de pointe vraiment très intéressante. Attends, c'est quoi? C'est une sportive seulement? Ok, oui. Petit raccourci pour ceux qui connaissent. Oh oui, elle a de la patate, j'ai hâte d'avoir un coup transformé, putain. Wow! C'est quoi le... Regardez vite fait, c'est quoi le point bleu? Véhicule d'export exotique. Ok, c'est bon, on n'a pas le temps de... Je pensais que c'était une scène de crime pour la nouvelle arme. Mais de toute façon, on l'a trouvé, la nouvelle arme, ça c'est... C'est pas un problème. Oh, par contre, les drifts, là, ça... Wow. Eh, vas-y, putain. Bon, c'est parti. Réparation, ça, j'étais sûr. Bon, transformation Venise. 564 000 j'étais à dollars. Wow! Ah oui, elle a quand même une foutue gueule. Un large comme ça, là, c'est wow! Bon, mais écoute, c'est parti. Le blindage, non, je vais me concentrer sur l'esthétique et les performances. C'est ça qu'on remarque le plus, quoi. Wow! Ah, la petite... La petite ligne de couleur, c'est stylé. Par contre, je sais pas sur quelle sorte de thème que je vais partir. De course ou ben non, une voiture de rue ou je vais voir. Oh oui, putain, c'est quoi ça? Il y a des séparateurs, par contre, c'est abusé comment? Waouh, non, non. Super brut. Séparateur en carbone. Est-ce qu'on met un séparateur? Oh, je suis pas certain. Oui, patate à carbone, c'est stylé. Le diffuseur arrière. Ok. Wow. What the... Ah oui, ok, c'est ça. Wow. Par contre, l'éclairage, là, dans le... Dans la Venise, c'est pas ouf, hein. Faudrait que ce soit amélioré. Puis pouvoir éteindre les putains de pots d'échappement parce qu'on voit pas les diffuseurs. Ah, chier. C'est quoi, ça? Ok. Ah, ça, c'en a un beau. Un carbone. Concentré brut. De course. Ah, de course, c'est vraiment beau. On réussit à voir un petit peu. Wow. Non, je vais aller... De course en carbone. Allez, on met du carbone. That's the look. That's the look. Les moustaches. C'est quoi déjà les... Ah! Des trucs. Ah oui, l'aération couleur, ah oui, ça, c'est, ils sont vraiment beaux. Par contre, je sais pas quel... Wow. Ah non, non, vertical, c'est pas beau du tout. Wow. Moustache en carbone. Moustache. Ah oui, c'est abusé, les...
Attends, c'est quel que j'avais vu là que je trouvais stylé? C'est eux? Non, non, c'est pas eux. Couleur 1. Le moteur, bien sûr, on y va à fond. Allez, j'ai dit le moteur, on y va à fond. She's a beast now. L'échappement. J'aime bien les échappements à titane dans le jeu. Ça ressort vraiment bien. Un 8, c'est quoi un 8? Ok, oui, c'est ça, ok. De rue, carbone, turbo. Ils sont stylés les turbos. Turbo à titane. Je vais tout de suite sélectionner pour pas le perdre de vue. On va aller voir les autres. Échappement turbo inversé en titane. Oh non, non, j'aime largement les autres. Non, on recule, on regarde ce qu'on a mis. La calandre. Oh oui, on a seulement deux jours de calandre. Ah, par contre, on voit l'intercouleur, le radiateur pour le turbo. Non, on va mettre lui. Les visières de phare. Ça met un choix. C'est quoi? C'est moi ou... Phare avec teinte de vitre. Ah oui, on voit rien du tout. Je paierais pas 8640 balles pour ça. On voit pratiquement pas de différence. C'est quoi ça? Attache capot. Ça, c'est stylé, les attaches capot. Bleu. Rouge. Doré. Non, je vais y aller pour eux. Le capot. 20 choix, carbone. Ah oui, ça donne un petit air agressif comme ça. Toc, toc, toc. Je suis pas trop fan de l'aération. Rallye, c'est quoi? Ah, par contre, rallye, cette aération-là avec les trucs du côté qu'on... Ah oui, ça c'est nice. Je sélectionne tout de suite, je vais pas le perdre de vue. Le sport. Non, 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 non. Non plus, wow. Quand même, mais non, je... On a sélectionné vraiment très beau. Le klaxon, l'habitacle. Je vais pas toucher à l'habitacle parce que quand on conduit, à moins d'être en première personne, on voit pas. Est-ce que ça paraît beaucoup? Oui, ça donne un petit style. Les motifs. Alors, comme vous savez, si vous regardez mes vidéos de custom, je suis pas trop fan de motifs. Il y en a certains que oui, mais il y en a d'autres que... Oh! On dirait le drapeau de l'Allemagne. Ça me fait penser vite fait, là, ça me fait penser à ça. Je pense que je vais garder ce motif-là. Ah oui, trop joli. Allez, on met un motif. Prévention, rétroviseur... Putain, ils sont où les rétros? Mais comment tu veux regarder en arrière? C'est quoi ça? What the fuck? What the fuck? La plaque. Jaune sur noir, toujours sur mes véhicules. C'est ma petite signature. Alors, principal, j'adore. Un rouge, on va aller voir si on peut mettre un rouge plus éclatant. Attends. Oh, oh, oh. Je crois qu'on avait une couleur mat. C'est pour ça qu'on voit que c'est pas sélectionné. On a rouge. Ah oui. Torino. Wow. Ah, il y a une couleur. C'est moi, non, ok, c'est beau. C'est l'éclairage. J'allais pour dire, on dirait qu'il y a un deuxième ton. Formula. Gracieux. Attends. Le rouge régulier est vraiment stylé. Le nacré. Orange profond. Ok, c'est ça, oui, c'est ça que je voyais. Je vais pas mettre
Oh. Le blanc. Wow. Je vais pas mettre de nacré pour cette voiture-ci. Noir. Quoi, on n'a pas le choix de mettre un putain. C'est quoi ça? On n'a pas le choix de mettre un nacré? Ben, je vais aller mettre la même couleur. On n'a pas le même choix. Je pensais qu'on avait une option 100 pour pas mettre de nacré. Couleur secondaire, finition à blend de crew. La couleur secondaire. L'orange profond. Ah, c'est. Ok, c'est ça. On la met toute rouge. Le toit. Des ailettes de toit. C'est quoi des. Ah, c'est l'antenne en arrière. Ah, c'est lui, la petite antenne comme ça, je vais la bête. De toit. Wow. Incrusté. Ah oui. Ça. Comment je pourrais dire, ça donne bien avec le devant. Je vais tout de suite le mettre, comme j'ai dit, pour pas le perdre de vue. Wow. Anguleux. Ok, parfait comme ça. Le vent, si on le vendrait. Non, écoute, on vient de l'acheter, là, c'est quoi ça? Les. Ok, je regardais c'est quoi que ça changeait. Ok. Brut. Rainuré. Non. Non, on va laisser de série. Des bottes caisse. Je suis pas fan des bottes caisse sur les véhicules. Là, peut-être je vais en mettre un tout petit des fois. On peut-tu changer de côté pour avoir une meilleure vue? Carbone, brut. Couleur 2. Ah, un petit bas de caisse comme ça, pourquoi pas. Étant donné qu'on a modifié le devant et le derrière. Allez, on a fini. Non, 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 non. 23 sur 29, on a encore plein de custom à faire. Wow. Ah, des petits ailerons. Oh, c'est quoi ça? Ah, celle-là, elle look très très bien. Par contre. Ah non, ça. Wow. J'hésite en deux ailerons. Je vais tout de suite aller vous montrer. Couleur 1. Soit celle-ci. Je vais tout de suite la mettre, sinon je changerai. Oh! Non, c'est pas celle-ci, c'est elle. Oh, celle-ci. Je vais garder celle-ci. Elle fait toute la largeur de l'auto. C'est vraiment beau. Les pare-soleil. Alors, les pare-soleil. Oh! En noir comme ça, ok. En blanc, je trouvais pas que ça donnait avec le véhicule, mais en noir, c'est magnifique. En plus. Dans le motif, on a une ligne noire, donc ça look vraiment bien. Power metal. Ah, par contre, lui. Non, on va laisser le faux carreau. La suspension. Comme vous savez, je vais vous le rappeler, la suspension, si on la baisse au maximum, on a une meilleure vitesse de pointe. Sauf que la tenue de route est pauvre, quoi, ça, au détriment de la tenue de route. Alors, je vais mettre. À place de mettre de course, je vais mettre compétition. Ou tiens, peut-être sport, un entre-deux. La transmission, ben écoute à fond. On va voir le turbo. Les roues. Alors, les roues. Type de roue, création Venise. Ah oui, putain, il crée des trucs chelous, lui. Non, non, c'est quoi ça? Exclusivité.
Wow. C'est quoi ces roues de merde? L'autre gamme, c'est quoi l'autre gamme? Lowrider, muscle car. On va aller pour sport, on va aller qu'on va se faire plaisir avec des chromés. Oh, wow. Mais wow, on voit très bien les disques de frein. That's what you was looking for. Oh putain, j'aurais pas dû sélectionner ce genre d'avant. Non, par contre, j'aime mieux. Ok, non, c'est beau, ça va. La couleur des jantes, on vient de choisir. Des vitres. Ça, c'est limo, limo, limo. Limo, limo, limo. Ah, on a fini. Bon, on va aller tester ça. Oh putain la gueule. Alors par contre, oui, 4h30, je vais quand même... Je perdrai pas mon temps, mais... La regarder vite fait. Elle est magnifique de chez magnifique de chez magnifique. Là, on va aller... Attends, où c'est qu'on pourrait aller? Peut-être se taper une petite autoroute. Une petite autoroute, oui, pour essayer de voir un peu la vitesse de pointe. Oh, 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 oh. Transformation bénie, ça reste une sportive, ok. Il y a des véhicules qui changent en super sportive ou peu importe. Là, par contre, c'est où qu'on passe, putain de bordel. Ok, c'est là-bas. Wow, 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 wow. Wow! Hey, les bugs de FPS, c'est quoi ça? Merde! Hey, les bugs, là, c'est quoi, bordel? On teste l'accélération. Putain, c'est un truc de ouf! Ah! Wow! Un truc de ouf, l'accélération, vous avez vu? On va essayer de tester la, wow, la vitesse de pointe. Merde. Ok. Ah oui, c'est... Putain, je vous dis direct, hein, elle doit battre des super sportifs, ça c'est évident. On voit... Est-ce qu'on voit la vitesse? Peut-être qu'on tourne le volant maintenant. Merde. Ah oui, toi, la véhicule, toi, cité. Wow! Ah bon, on va changer notre trajectoire. Bon, eh bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo. Eh putain. Je vous invite, oui, à aller voir la vidéo sur des promos bonus qui vont être en ligne en même temps que ceci. Et moi, je vous dis à la prochaine.